Bonjour à tous. Euphorique ces dernières semaines, le numéro 8, Isolde Flower, sera probablement le cheval à battre de la course. Mais moi, je vais lui préférer une candidature étrangère, enfin du moins un étranger d'origine, avec le numéro 9, Freedom, qui s'est vite adapté aux courses françaises avec un succès à Vincennes et des accessites à Bordeaux et Agen. Ce fils de Musker Hill est rompu au départ à l'Autostar et possède un brin de tenue. Avec le bon parcours, je pense qu'il doit avoir la pointure d'un tel lot. Je vais lui opposer le numéro 7, Impartial, qui semble n'avoir jamais été aussi performant que ces derniers mois. Ce protégé de Bruno Marie vient de remporter 3 de ses 4 dernières sorties. C'était à Châteaubriant, Toulouse et Lyon-la-Soie. Sur sa lancée, il doit encore lutter pour le podium. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas à de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux Côte et Côte.